aujourd'hui, c'est le lancement du mois Octobre Rose, qui est le mois de sensibilisation au cancer du sein et à l'importance du dépistage pour les femmes. C'est important de sensibiliser parce qu'il faut savoir que le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin. Il touche une femme sur 8. La ville de Montpellier a réussi à réunir tous les acteurs de la prévention, du traitement, les associations, pour constituer ce collectif Octobre Rose, qui est tout à fait unique en France. Il est très important pour les femmes entre 50 et 74 ans de répondre aux campagnes de dépistage 34. Le dépistage organisé du cancer du sein, ça se traduit par une invitation tous les deux ans des femmes de 50 à 74 ans à faire réaliser une mammographie. Et ça s'adresse aux femmes dont le risque de survenue du cancer du sein est moyen, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'autres facteurs de risque que leur âge. Les femmes qui passent à un risque élevé seront prises en charge pour une surveillance auprès des professionnels de santé, une surveillance adaptée. Et si le diagnostic est précoce, 90% de guérison, c'est énorme. Donc il faut vraiment que les femmes se fassent dépister.